Bonjour. Étymologiquement, monarchie vient de mono, un seul, et archi, donc le pouvoir. Et donc, c'est-à-dire le pouvoir à un seul. Donc, en théorie, un monarque n'est pas forcément ce qu'on appelle un roi, mais une personne qui dirige un peu seul, en tout cas, qui est le seul à être à la tête du pays, qui est le numéro un, qui est un numéro un. Donc, une monarchie avec un roi en est une, même si le roi a plus ou moins de pouvoir. Mais un empire avec un empereur est techniquement aussi une monarchie, et la présidentielle, étymologiquement, un président qui dirige est un monarque, juste un monarque temporaire et élu. Et au final, du coup, dans l'absolu, beaucoup de régimes dans le monde et dans l'histoire pouvaient être désignés ainsi. Il existe cependant quelques petites exceptions. Déjà, il y a eu la République romaine, où il y avait plusieurs consuls qui étaient à égalité entre eux. Et le seul moment où il y avait une seule personne à la tête du pays, de la République, c'était pendant les périodes de dictature, qui était une institution républicaine où une personne recevait pendant 6 mois les pleins pouvoirs absolus, puis était démis de ses fonctions automatiquement au bout de 6 mois, et c'était pour répondre aux situations de crise. Il y a eu également en France une exception pendant la Révolution française. Parce qu'avant le consulat, il n'y a eu aucun moment entre l'abolition de la monarchie et le consulat où il y avait une personne à la tête du pays. C'était toujours un collectif, un gouvernement sans chef de gouvernement, un comité de salut public, où personne ne dirigeait institutionnellement. Robespierre, ainsi, n'était pas un dirigeant. C'était un membre du comité de salut public parmi d'autres. Et après, il y a eu le directoire. À chaque fois, c'était un collectif. Jusqu'à ce que Napoléon mette en place le premier consul. Et c'est en fait la seule période durant l'histoire française où il n'y a pas eu une seule personne à la tête du pays, et ce choix a été fait justement parce que ça faisait trop penser à la monarchie.